Et il a fait bander, hein. Bon, et donc là, c'est... Qu'est-ce qu'on a, en fait? Non, mais pas du tout, putain, on a dit n'importe quoi. On a... c'était loser quarter. C'était pas loser semi, c'est là le loser semi, parce que regarde, là, on a Belia qui est en train de faire sa run de loser, hein. Ouais, Belia, et là, il veut gagner. Il veut avoir son ticket final contre Cyr, au moins. Enfin, d'ailleurs, en fait, je dis la mine, je dis n'importe quoi, c'est Willy qui attend. Mais oui. Donc le rematch, s'il y a, ce sera en loser final. Il faut qu'il gagne contre Foster. Bah, de toute façon, s'il gagne pas contre Foster, je sais pas ce que Foster va jouer. Foster, il s'est mis à Falco récemment. Ouais, je pense que ça va jouer Samus. Ça joue Samus, là. Ouais, là, ça joue sérieux, tu vois. Est-ce qu'il y a du cash prize en jeu, là, à ce moment-là? En top 3, tu veux dire? Ben, là où ils en sont, genre, est-ce que, par exemple, genre celui qui gagne ce set là, est-ce qu'il touche quelque chose et l'autre rien? Ça, c'est les sets importants, tu sais. Peu importe s'il perd ou gagne, il touche quelque chose, mais. Là, ça touche. C'est au set d'avant que ça touchait quelque chose ou pas, tu. Ouais, ok. Mais là, ça va pas toucher grand chose de prendre. Ouais, c'est. Là, c'est le dernier, celui qui sort là, s'il touche quelque chose, il va juste se faire rembourser sa petite participation. Et encore. Et encore, parce que cette fois, c'est 13 euros, hein, bien cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la salle est chère. C'est quoi, là? J'ai rien regardé, hein. C'est chaud. Je crois que c'est Foster, ça s'est fait Gimp. C'est la violence. Ouais, il faut savoir que Belia a battu Foster à l'Amont Arena. C'était récent, ça, ouais. Donc, techniquement, il est censé avoir l'avantage, mais on est sur Yoshi's. Et tout à l'heure, Belia, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu nous voir, il a dit Yoshi's, c'est un vieux stage contre. Il a dit c'est pas si bon qu'on s'amuse. Ouais, c'est pas si bon qu'on s'amuse. J'exagère un petit peu, mais bon, c'est pour le stream, c'est pour l'e-sport, c'est pour la hype. Et ouais, il va dessus, donc je sais pas. Ça risque d'être contestable. Peut-être qu'il était confortable, il se dit, ouais. Ouais, c'était confortable, mais le problème, c'est que si la Samus en face, elle est confortable aussi. Ouais. Et là. C'est chaud, quoi. Oh! Tu vois, ça, c'est le genre de truc avec Fox, tu meurs instant. T'as l'air d'être dans le vide, mais. Comme que les flottis. Comme son perso, il est craqué. Hein? Lol. Lol. Ok, joli dans Smash, il attend bien. Oui, tout en mind game, tout en mind game. C'est Hubert top shield, il a l'air d'avoir du mal. C'est super dur à spacer, hein, en tant que Fox. Hein. Tellement fin. En tant que Fox. Moi j'ai pas mangé à midi du cul. Après je me suis levé tard, à midi. Mais ouais, très joli pivot de la part de Béa. Pivot shield, parce qu'on les aime. Ah c'est. Oui. Ça c'est. C'est pas bon ça. Pas dire ça de la part de Belia parce que c'est un patron, mais ça, là il s'est planté. Je sais pas s'il a raté son turnaround, je pense. Il a raté son turnaround. Mais tu vois, je pense qu'il était un peu. Le truc, c'est que voilà, il aurait pu juste prendre son temps, tu vois. Genre, il a pu faire un turnaround de match. Il aurait pu genre se retourner, attendre un petit peu, charger un. Coincé dans son. Enfin, genre, tu peux. Je pense que si tu réagis vite, tu vois, et que la Samus elle rate un grab, tu peux Falcon Punch carrément, tu vois, avec un Falcon. T'as le temps, tu sais. C'est tellement long, quoi. Tu peux pas up-tilt avec Ganon, mais presque. Ouais, non, ça c'est vraiment long, la petite de Ganon, mais ouais. Ok. Là, il fait des trucs garantis sur Samus, c'est-à-dire les wave shine, les flash. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais, mais par contre, le problème, c'est que, encore une fois, ce genre de conneries, si tu te rates, encore, là, c'est dommage. Il a loupé son sondage. Ouais, tu vois, il prend plus son temps, là. Un truc que je sais pas et je vais avoir l'air d'un scrub, mais du coup ça m'intéresse là tout de suite la question, est-ce que quand tu charges un smash tu fais pas plus de pourcent? Non, c'est juste du knockback qui change. Non, plus de pourcent. Ça fait plus de pourcent. Oui, il me semble. Tu penses? On ira énormément. Bah ça m'étonne, je vois pas pourquoi ça ferait plus de pourcent. S'il y a plus de knockback, oui, mais infliger plus de dégâts, je sais pas. Ça m'étonnerait que ça fasse plus de pourcent. Je sais pas, ça me paraît. Ouh, très joli repère. Mais repère, ça c'est du bon combo contre Samus, hein, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, il se fait grab. Il se fait tech chase sur la top plateforme. La base. On a vu. C'est Pluck qui a appris ça à tout le monde. Hein. Bon, il y a d'autres tech chase d'air. J'ai l'impression que lui, ses tech chase, ils sont trop sales, hein, avec ses DR1. Oui, mais c'est parce que c'est Pluck. C'est Pluck. Il est il est chaud. Mais Foster est là. On peut s'en inspirer. Ça c'est stylé, tu vois, ça c'était plus du plop, c'était du up, ça, tu sais. Genre des purs footies, genre je mets deux jabs devant moi, up tilt. Un grand ami du wave dashback, il est mon cousin. C'est ça. Jab jab, wave dashback, up tilt. Ouais. Tellement safe. Tellement safe et tellement relou à traverser. Ouh. 1-0 pour c'est chaud, hein, c'est chaud. Ce match-up il est vraiment. Tu verras dans tous les livres que ce match-up on t'explique que c'est trop bien pour Fox et que c'est facile, mais en pratique. Tu rates un webshine, tu te fais down smash, tu rates n'importe quoi, tu te fais down smash. Quand à chaque fois que tu te fais down smash et que t'es off stage, tu risques la mort. C'est vrai, mais d'accord, j'avais pas raison. T'as pas le.
T'as l'avantage en neutral technique. Ah, ça c'est dur. Cette fois, ça. Ça c'est dur. Bon, counter pick de Bega, on va dire que c'est pas trop grave de perdre cette game, on va dire pour Foster, parce que c'est le counter pick de Bega, il va pas perdre l'avantage du counter pick. Donc c'est tranquille. Mais peut-être que. Après, s'il gagne, c'est. Cette game elle est importante pour lui quand même, parce que s'il est à 2-0, c'est. Ah, 2-0, 2-0, t'es très très bien dans le set quoi. Gagner 3 fois contre d'affilée contre Samus, c'est compliqué. Ouh, ouais. Je pense qu'il a. Il a smash DI. Oh là là. Le dernier. Ah ouais. Il a bien évité le shine, il a pris 15 coups surtout. Ça joue plutôt très bien. Ouais, ça joue bien. Ça joue plutôt très bien. Là, ce match, des deux côtés. Bon, après, il y a eu un SD. C'est dommage. Il y a eu un suicide au début de Foster. J'ai pas trop regardé quel pourcent, mais ça va y aller assez bas. C'était très très bas. Ah ouais. C'était vraiment au début. Il a toujours sa charge shot et. Ça, même en tant que spectateur, ça me fout le stress. Je me dis, ça va, c'était. C'était bien, mais tu vois, il lui a dit arrête. Il lui a et dit du stop. Coup, le joli upper qui passe second hit only. Il prend la stock là. Et il lui a dit arrête avec sa charge shot. Il a dit arrête de tirer des lasers, tu me saoules. Ok, donc j'aime pas. Crouch cancel dans ce cas. Ouais. Ouh, très joli upsif. Ça crouch cancel. C'était une meilleure option, mais c'était joli en tout cas. Ok. Ça y est, Joyce, il s'est repris là sur les graves ratés. Il y a un truc dangereux dans ce match-up, c'est BD, il aime bien tirer des lasers, mais en même temps, il y a Foster qui aime bien mettre des missiles. Ouais. Du coup, ok. C'est cool. Il aurait peut-être pu charger un splash et prendre directement la stock, mais on va dire que ça va. Bélia qui n'essaye même pas d'Edgard, il fait ses Samus. Non, il a raison. Il fait des lasers. Honnêtement, Edgard contre Samus, et je dirais surtout quand t'es en avance, tu sais, ouais, c'est des risques inutiles. Après, ça peut marcher. Hein, ça peut marcher. Mais le truc, c'est que aussi que tu peux te faire gimp avant d'avoir cligné des yeux, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, un stock d'avance. Foster qui joue très très clean sur ce DF, petit match. Okay. Ah, c'est dommage qu'il ait fait un SD au début. Bon, alors là, c'est parti complètement en couille leur match pendant une seconde. Ouais, mais c'était pas mal le bait. Parce que Foster se disait, ouais, bon, ok, je me fais tout le temps bait pour ça. Il a lâché B. Ouais, ouais. Du coup, je vais pouvoir arriver. Et en fait, non, il y avait toujours B. Du coup, il a pu jump. C'est Samus, c'est trop lent, mon petit pote. Faut aller. Tu peux pas. Mais ouais. Et il tire ses single laser, il essaye d'avoir des hits pile sur la tête de Samus. Il essaye de rack mass dégâts, hein. il a raison. Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand t'es en avance contre Samus, t'es avec Fox. Genre tu run un peu away, pouf, tu mets pas mal de dégâts. Si elle commence à essayer de trop te courir après, tu la get back. Et est-ce qu'on aura le droit à un vaquer? Non. Après moi je trouve que Bélia il joue pas assez technique dans ce matchup. Je trouve c'est trop fort les Weshine. C'est dangereux. Les Weshine follow-up, c'est trop fort contre ce perso, tu sais. Alors, je pense qu'il est, on il voit est pas content assez... avec déjà, s'il a un Wave Shine of Smash, je pense qu'il est déjà assez content. Et je pense que c'est surtout très très dur de Wave Shine Foster, enfin, d'arriver à avoir un Shine sur Foster. Ah, je sais pas, je trouve qu'il drill pas assez, tu vois ce que je veux dire. Et encore ce turnaround of Smash qui me passe. Ouais, il a peut-être encore un peu raté son turnaround, c'est un peu dommage. Peut-être qu'il était bon, j'aurais peut-être pas le temps, j'aurais peut-être flag mon turnaround, donc autant. Parce qu'il veut le charger au maximum là. Il n'avait pas de jump. C'est compliqué, ouais. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il a perdu son saut, mais c'est compliqué là. Mais ouais. 2-0. Ouais, 2-0. Là, ça va être chaud, hein. Comme on disait à la fin de la game 1, 3 fois d'affilée contre Samus. Parce qu'elle va avoir ses 2 counter pick après là, ça va partir sur Dreamland, sur FOD, ce genre de truc. Oh là là, la monstruosité. C'est compliqué quoi, quand tu galères sur FD, sur FOD en général ça se passe moins bien. Il galère pas tant que ça, c'est juste que. Non, il galère pas tant que ça, mais tu vois. Ouh, c'est dangereux ça. Okay, il avait le lead toute la game, mais à la fin je sais pas comment il a perdu son saut. Je sais, j'en ai absolument plus. Il a dû le jump. Bah, il a sauté dans un coup, c'est sûr, mais. Il a dû sauter sûrement dans le nerf qu'il a mis off stage et qu'il a tué, mais. Faut pas qu'il choque surtout. Samus, si tu commences à choque, c'est terminé. Ouais, c'est... Parce que Bélia est un peu on tilt, comme on dit. Ouais. Est-ce que ça tilt? Non, je pense pas. Je veux dire, il a l'habitude. Pas, les Samus qui gagnent les SSD, il y en a un. Il a l'habitude de cire, mais. Foster, c'est une différente Samus. C'est clair, mais ça reste une Samus. Je veux dire. Oui, c'est Samus. C'est Samus, voilà. Je pense que Foster a envie d'avoir la revanche de la Monster Arena. On s'amuse, tu vois. C'est drôle. Ouais. Ouh, c'est sympathique. Le gros charge shot dans la tête. Ça fait. Oh, ouais. Mais le Doraki Walljump, pas fait exprès. On a entendu le Bélia là. Genre, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'avais practice pendant 15 heures avec Raoul. Ouh, et le coup. Ça, c'était propre, tu vois. Ça, c'était propre. Il devrait aller plus pour des drills là. Bah, pour ça, ça met une tonne de dégâts. Mais après. Surtout pour l'instant, tu sais, il en a jamais fait donc. Bah, s'il s'y attend pas, Foster, il va pas smash DI ou ce genre de trucs. Foster, c'est qu'il est habitué à smash DI avec le 6 kick, ça suffit pour pas se prendre le shine.
que du coup. Ouais, c'est compliqué quand même. Je crois là. Ah, y a des gens qui sont très, très bons à le faire. Ouais. Bon, j'ai peut-être pas les connaissances requises sur nos joueurs pour pouvoir dire que pour pouvoir donner la raison pour laquelle ils drillent pas, c'est... etc. Mais je trouve que ça manque un peu quoi. Moi j'aime bien. Peut-être le drill trop safe. Le drill j'aime bien parce que en plus tu sais ça c'est lent c'est entre guillemets oui, quand ça résonne tu vois ça casse un peu le momentum. Je trouve. Le drill. Allez Bélia, putain. Qui a du mal. Ouais mais c'est trop dur ce match-up. Hein. Franchement je le remets pas. Devant Samus c'est triste. Ouais. Il réussit à avoir un grab. Aïe aïe aïe. Ouh, il a tenté la boule. Bon là il part en laser, il a bien raison, il faut qu'il le mette à kill pourcent avant de tenter quoi que ce soit. Ouais mais Foster, comme... regarde, Foster il le laisse plus respirer. Il court vers lui. 9 de vie. Foster il le laisse plus respirer là dans cette situation, il a pas du tout envie de subir des runaway, il double laser, etc. Surtout pas, Bélia il fait ça bien. Hein. Mais je pense que ça... tu vois comment les smash DI sont dans l'air. Ouais. Bah, là il a smash DI. Ouais. Et pas qu'un peu. Ah c'est juste, ouais, c'est pas qu'un peu. Ah je sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de hits sur le dans l'air. Si tu fais... Et ce shield. C'est dur un smash DI. Ouais, là il a plus de shield, c'est compliqué. C'est, ouais. Bah en fait, il suffit de... Si tu... Tu sais, quand tu fais des late drill, c'est plus difficile à smash DI, bah, tu vois. Du coup, si tu utilises que le stick, ouais, c'est plus difficile. Parce que... Encore une fois. Et là, tu vois, il peut plutôt aller pour un wave chain follow up imbo, tu sais. Genre un smash chargé. Tout à l'heure, il s'était pris le cancel down smash, son smash, parce qu'il aurait dû juste genre wave chain up smash ou wave chain grab. Hop. Don't protect chase. Aïe. Ouais, LF. LSF, ouais. LSF. Pas du tout LF. Non, c'est pas swap, c'est pas swap. C'est pas swap. Ok, LSF money. La LSF money. L money S. Du coup, Bélia sur sa dernière stock du tournoi. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il suffit d'un air, d'un maquin. Au petit Fox. Enfin, j'ai cru que ça allait faire comme Hugs au 5 Bloods là, quand il a tiré un missile et qu'il a le nerf dedans après. C'était ouf d'ailleurs. C'est sûr. Ouais, c'est compliqué, c'est fini. Ah oh, oh, c'est 3-0 pour Foster qui l'emporte. Foster, t'es chaud, hein, quand sort on top et plutôt facilement, je dirais. Plutôt facile.